Qui es-tu? La grande question. Ben, en fait, j'aime beaucoup me définir par une grande passionnée de l'humain avant tout, parce que le reste, ce sont des titres, tu sais, ce sont des expériences qu'on accumule au fil des années que la société aime bien étiqueter. Mais fondamentalement, qui je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'humain, et surtout passionnée et fascinée par son potentiel, parce que moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi deux êtres humains face à une même épreuve, il y en a un qui va souffrir extrêmement longtemps, ça va l'anéantir, tandis que l'autre, il va utiliser ça comme un tremplin pour grandir puis améliorer sa vie. Pourtant, c'est la même épreuve. Donc, ça me fascinait au plus haut point et je voulais comprendre les mécanismes derrière la résilience, puis grandir, s'épanouir et devenir plus fort. Et c'est ce qui m'a énormément incité à vouloir explorer tout le potentiel humain. Donc, pour moi, c'est important de connaître son fonctionnement physique, mais son fonctionnement émotionnel, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la spiritualité, le pouvoir de l'esprit. Et dernièrement, au cours des dernières années, on me connaît beaucoup pour Madame Neuroscience, parce que ma grande fascination, c'est le cerveau, parce que pour moi, ça a été une grande révélation, la puissance du cerveau. Et c'est là que j'ai compris comment l'être humain fonctionnait, en fait. Et c'était comme, waouh! Pour moi, ça a été de découvrir la caverne d'Ali Baba. Pour moi, explorer le cerveau a donné toutes les réponses à mes questions. Et ça, j'adore ça. C'est sûr que là, sur le plan professionnel, on peut dire que je suis enseignante légalement certifiée à l'université. Je suis formatrice, je suis conférencière. C'est sûr, j'ai été chroniqueuse radio, animatrice télé. J'ai plusieurs chapeaux, mais tous ces chapeaux-là ont toujours servi une seule et même cause, c'est enseigner le potentiel humain. Ben, je suis tellement d'accord avec toi parce que ça a été ça ma révélation. Parce que avant de faire une formation à l'Institut des neurosciences appliquées, en fait, moi je me dis, oh, le cerveau, je sais que c'est puissant, puis je sais qu'il est responsable du fonctionnement biologique. Mais en fait, ma grande révélation, ça a été découvrir à quel point c'est lui le grand patron de tous nos comportements. Donc, moi, ce qui m'a fasciné, c'est le cerveau social. Donc, c'est lui qui décide de ce que je vois, de ce que j'entends, de comment je vais réagir émotivement, de ce que je vais poser comme action. Tout ça est un programme enregistré dans mon cerveau et je le subis à chaque fois. Fait que moi qui pensais qu'il y avait le libre arbitre dans la vie puis que j'étais maître de mes réactions et de mes décisions, finalement, j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai absolument aucun libre arbitre. Je suis programmée. Je subis un programme. Et Tellement. quand on comprend comment le cerveau programme ça, et là, la beauté de la chose, c'est que grâce à la neuroplasticité, on peut reprogrammer ce qui nous convient pas. Exactement. Et c'est là que ça ouvre un champ de possibilités absolument infini. Moi, ma vie s'est améliorée fois 1000 depuis la reprogrammation du cerveau. C'est impossible. Ouais, c'est ça. L'expérience papillon, quand je la raconte sur scène, c'est toujours un élément très marquant dans la conférence parce que c'est là qu'on voit l'impact du fonctionnement du cerveau. Donc, j'imagine que tu veux que je te raconte l'expérience papillon. Pour le grand bonheur de nos auditeurs. Donc, je vous demande d'être attentifs parce que là, vous allez dire où est-ce qu'elle s'en va avec son expérience papillon, mais vous allez tout comprendre. En fait, pour comprendre le fonctionnement du cerveau, il faut savoir que, oui, on l'a dit, il y a le cerveau de la survie et le cerveau social. OK? Quand on arrive sur Terre, donc à la naissance,
Dans notre cerveau, on a des milliards et des milliards de neurones, OK? Et les neurones, leur fonction, c'est de recevoir de l'information, traiter l'information et communiquer de l'information à un autre neurone. Et quand ils communiquent de l'information à un autre neurone, ça veut dire qu'il y a connexion neuronale. Il y a de l'information qui circule entre deux neurones qui, lui, va recevoir de l'information, le communiquer à un autre neurone, un troisième neurone, quatrième, cinquième. Et c'est là qu'on va appeler ça une voie neuronale, un chemin neuronal, un circuit neuronal. Un chemin neuronal, tu sais, peut avoir là, tu sais, jusqu'à 1000 neurones. Là, tu sais, c'est très, très vaste. Là. Et quand on arrive sur Terre, les neurones sont déjà connectés entre eux dans le cerveau de la survie. C'est ce qui fait que notre corps est fonctionnel. Donc, on peut respirer, manger, digérer, crier, ressentir des émotions. Tout est là, tout est en place. Par contre, dans le cerveau, on a aussi le cerveau social. Et le cerveau social, c'est tout ce qui est le comportement humain. Les attitudes, les émotions, notre relation à nous-mêmes, hein, estime de soi, confiance en soi, amour de soi, notre relation à la famille, papa, maman, et quand on vieillit, ben là, les amis, l'école, les professeurs, ma relation avec mes devoirs et leçons, les exposés oraux, ma relation à la nature, aux insectes, ma relation à l'argent, ma relation sexuelle, la relation au travail, tout ça, là, tout ça, c'est dans le cerveau social. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, il y a des neurones dans le cerveau social, mais il y a seulement un tiers des neurones qui ont connecté entre eux. Il y a juste un tiers. Et ce tiers-là appartient à la génétique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a hérité du comportement, des attitudes, hein, la tête de cochon ou la grande générosité de grand-maman, hein, dépendamment des neurones qui ont connecté ensemble. Des dons aussi, tu sais, ce qui fait que des fois, il y a des enfants qui, à 3-4 ans, vont jouer du piano, puis tu vas dire, ben mon Dieu, c'est incroyable, il est tellement doué, il est doué comme son oncle. Donc, il y a des talents comme ça et des attitudes qu'on va hériter de nos ancêtres. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe avec le deux tiers des neurones qui n'ont pas connecté ensemble? Et c'est là que ça se joue et c'est là que je m'en vais vers mon expérience papillon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deux tiers restant des neurones, ils vont connecter entre eux en fonction des expériences de vie de votre naissance jusqu'à la mort. Okay? Donc, tout ce que vous avez fait, pensé, ressenti, est connecté et enregistré dans votre cerveau. Donc, comment un chemin neuronal se crée? Et c'est là que je parle du papillon. Donc, pour rendre ça plus concret, imaginez que l'enfant va voir un papillon pour la première fois. Il a 2 ans, il est dans un champ avec maman, il est heureux, en sécurité, il fait beau, ça sent bon, il y a des fleurs. Et là, il voit un papillon et là, maman va dire « Oh, le beau papillon! Papillon! » Et là, l'enfant va courir, tendre la main. Le papillon qui se dépose dans la main, waouh, quelle belle expérience. Ça, c'est sa première expérience. Pardon? Ah oh, oui, 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 oui. Oh! On va voir que c'est pas le même chemin du tout qui va se créer. Donc, cette expérience-là, elle est magnifique, mais concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cerveau? Vu que c'est la première expérience papillon, le cerveau dit, hey, est-ce que j'ai ça dans mon cerveau? Non. J'ai pas d'expérience papillon, donc je dois observer ce qui se passe dans l'environnement et l'enregistrer. Donc, comment l'enregistrement se fait? Ben, c'est très, très simple. En fait, il y a la pupille qui va capter les informations visuelles. OK? Donc, elle va capter les couleurs, les reliefs, la profondeur, etc., les différentes tonalités de couleurs, là, les différents tons, et va envoyer ça dans l'aire visuelle du cerveau. Donc, dans le cerveau, on a une aire visuelle. Et l'information va connecter entre eux, donc ce sont les neurones correspondants qui vont connecter entre eux, et l'aire visuelle va en faire une représentation finale qui est la forme du papillon tel qu'on la connaît avec le corps, les antennes et les ailes. Donc, c'est la représentation finale. Et c'est pour ça que chez les personnes tu sais, qui sont colorblind ou daltoniens, ceux qui ne voient pas les couleurs, c'est parce que les connexions neuronales ne sont pas faites de la même façon que quelqu'un qui voit. Donc, comme il y a une dysfonction, ben c'est ce qui fait que sa représentation finale à cette personne-là, elle est sans couleur versus nous avec de la couleur. Maintenant, si on se projette à nouveau dans l'expérience papillon, ben il y a maman qui a dit « Ah, le papillon, papillon! » Donc, au niveau des oreilles, on a aussi des neurones sensoriels qui captent l'information et envoient l'information dans l'aire auditive. Et les informations, évidemment, ce sont la tonalité, le débit, les accents,
consonnes, voyelles, etc. Donc, il va, l'oreille, il va capter tout ça, envoyer ça dans l'air visuel. Et l'air auditif, excusez-moi, et l'air auditif va en faire une représentation sonore finale qui est papillon. OK? Et là, on a l'air motrice aussi dans le cerveau social. Donc, évidemment, si on a couru et qu'on a tendu la main, le cerveau a enregistré courir et tendre la main et ressentir la douceur. On a dans le cerveau aussi l'air olfactif. Donc, le cerveau a enregistré par les neurones sensoriels du nez tous les odeurs qui sont là pendant que je suis en train de vivre l'expérience papillon. Et il y a bien sûr l'air émotionnel, où est-ce qu'il y a toute la gestion des émotions. Et le cerveau a enregistré ben, que c'est de l'émerveillement et que c'est agréable. Donc, tout ça, air visuel, auditif, olfactif, motrice, émotionnel, va créer le chemin neuronal papillon. Ça, là, ça devient le chemin neuronal. Et le cerveau est super intelligent parce que ça demande énormément de temps et d'énergie de connecter des neurones ensemble. C'est épuisant. Chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, on est hyper fatigué. Tellement, parce qu'il fait plein de choses la première fois, il est brûlé, là. Son cerveau est en train de créer des chemins neuronaux à chaque seconde, donc il est épuisé. Puis juste pour vous donner une idée de la fatigue ressentie, là, si je vous dis meuble IKEA, là, la première fois que vous avez monté un meuble IKEA, là, vous n'aviez pas de chemin neuronal automatique sur meuble IKEA. Là. Fait que, moi, j'appelle ça le syndrome du neurone errant. Là. Tu regardes le plan et tu fais... Exactement. Puis quand on a fini de monter le meuble, on est épuisé. Et en vérité, quand vous montez le meuble, qu'à un moment donné, vous faites « Ah! La vis, elle va là, dans cette tablette-là. » Quand il y a le « Ah! » c'est parce qu'il y a eu connexion neuronale. Donc, ça commence à faire sens. OK? Donc, ça vous donne une idée à quel point c'est épuisant. Donc, comme c'est épuisant, le cerveau, il dit « Moi, je ne ferai pas ça tout le temps. » Donc, je vais enregistrer, je vais mémoriser l'expérience, je vais la stocker. Et ça se fait par ce qu'on appelle l'encodage mnésique. Mnésique veut dire mémoire, donc il garde ça en mémoire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la prochaine fois que l'enfant va voir un papillon, ben, l'œil capte les informations qu'il envoie dans l'air visuel. Et là, l'air visuel va dire, « Hé, attends une minute, on se calme les neurones, on n'a pas besoin de créer un chemin, on l'a déjà, donc on va l'activer. » Et ça veut dire quoi, activer le chemin neuronal? Ça veut dire envoyer un petit courant électrique dedans. On le sait, le cerveau, c'est de l'électricité. Et quand l'électricité passe dans le chemin neuronal, ben, ça fait l'effet domino dont tu parlais tantôt. Donc, ce sont les neurones qui s'activent un après l'autre. Et quand il y a activation de ces neurones-là, ben, ça nous conditionne. Donc, c'est ce qui fait que de façon automatique, on est conditionné à réagir au programme et à dire « papillon, tendre la main, être émerveillé ». Attends. Ah oui, oui. Et puis même si t'as pas faim, là, t'es tellement habitué d'associer cinéma à popcorn que tu vas en acheter un quand même. Ben oui, il faudrait puis vraiment les que glandes, tu sois malade ou que ça rentre pas pour ne pas le faire. Les glandes salivaires commencent. Oui. Totalement. OK, oui. Totalement. La magie de la neuroplasticité, c'est ça qui est merveilleux. En fait, on subit tout le temps nos programmes. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que
Tu sais, on a à l'avant, derrière le front, on a le préfrontal, OK? Et la fonction du préfrontal, c'est d'analyser, de réfléchir, de prendre des décisions logiques, tu sais, selon un plan. Et moi, j'aime bien avertir les gens en les avisant de faire attention à l'orgasme du préfrontal. Et là, les gens vont dire, mon Dieu, c'est quoi ça, l'orgasme du préfrontal? Ben, en fait, l'orgasme du préfrontal, c'est quand on lit un livre, on écoute un balado, on écoute une conférence, puis on se dit, ah, oh, mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi je suis comme ça. Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai que je devrais mieux communiquer dans mon couple. C'est ça que j'ai, c'est ça mon problème. Ah, oh, mon Dieu, elle a la solution à mon problème. Donc, quand le préfrontal, il trouve là qu'il y a quelque chose qui fait sens, puis qui est bien logique, puis qui nous aiderait, il prend la décision de s'améliorer. Tu sais, il va dire, waouh, ce serait bon pour toi ça, si tu améliorais tes finances, tes amours, ta confiance en toi, ta santé, etc. Et quand il trouve un plan, une idée de génie, il est bien fier de lui le préfrontal, parce que c'est ça sa job, d'analyser, puis de faire des choix, puis de dire, tiens mon humain, réalise-toi maintenant. Et il nous envoie des biochimies qui nous rendent un peu euphoriques. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'orgasme du préfrontal, parce qu'on est comme, oh mon Dieu, on est tout émerveillé. Tu sais, on vient de comprendre. Il y a quelque chose qui s'illumine et qui fait sens. Le problème, mes amis, avec l'orgasme du préfrontal, c'est que lui, une fois qu'il a pris la décision, qu'il nous a envoyé la motivation pour le faire, lui a terminé sa job. Et c'est les chemins neuronaux qui prennent le relais. Et si dans les chemins neuronaux, c'est inscrit « tu abandonnes », je te garantis que tu vas abandonner à 100%. Si c'est inscrit « c'est pas pour moi », très rapidement, tu vas perdre ta motivation. Si c'est inscrit dans ton chemin neuronal que tu as peur de perdre tes amis, si tu t'investis trop dans un projet financier ou en affaires, je te garantis que même si ton préfrontal te dit de faire ceci, cela pour augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas abandonner parce qu'à un moment donné, il va y avoir l'activation de « j'ai peur de perdre mes amis ou ma qualité de vie si je travaille trop ». Donc, au final, c'est ce qui fait que les êtres humains tournent en rond. Tournent en rond parce qu'ils veulent, sont motivés, ils abandonnent tôt tard. Ils veulent, sont motivés, ils abandonnent tôt tard. Et ça, c'est la faute du préfrontal qui s'emballe et c'est la faute des chemins neuronaux qui sont programmés pour vous faire abandonner. OK? Donc, ça, c'est hyper important d'en prendre conscience parce que c'est génial, l'orgasme préfrontal, mais après ça, assure-toi que tes chemins neuronaux vont t'aider à te réaliser puis à aller jusqu'au bout. Et c'est là que, pour moi, excusez-moi l'expression anglaise, mais que ça a été un game changer parce que à partir du moment où j'ai reprogrammé mon cerveau pour avoir de meilleures réactions émotives, de meilleurs comportements, des meilleures pensées, ben j'ai été supportée par mon cerveau et j'ai réalisé des choses incroyables. Et en fait, je vais vous donner un exemple très, très concret qui va peut-être parler à certains ou pas, mais moi, j'étais une grande boudeuse. Donc, moi, là, quand mon mari me faisait une critique, là, mon mari appelait ça le syndrome de la respiration sec, tu sais, parce que là, il me critiquait, je faisais... Ouais. Tu sais, j'étais comme... fermée, là, j'étais comme insultée, là, tu sais. Et là, je me refermais sur moi parce que je suis pas quelqu'un qui crie, je suis pas quelqu'un qui est agressif, je suis pas quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un de très, très doux. Moi, c'est beaucoup plus le rejet et l'abandon, tu sais. Fait que le boudage, c'est on se retire, on se rejette nous-mêmes, là, tu sais. Et là, je me disais, ben, c'est ça, il m'aime pas, s'il me critique comme ça, ben, s'il m'aime pas, il est juste allé voir ailleurs, qu'est-ce qu'il fait avec moi, puis lui, il est pas parfait non plus. Et voyez-vous comment le cerveau va se mettre à activer tous les scénarios catastrophes, tu sais. Et au final, c'est tellement nocif pour la relation de couple, tu sais, c'est tellement nocif. Et à un moment donné, j'ai lu un livre et j'ai eu l'orgasme du préfrontal parce que dans ce livre-là sur la communication dans le couple, il y avait un paragraphe qui disait, tu sais, si votre partenaire de vie vous critique, dites merci pour la critique. C'est un signe d'amour parce que tu me le partages et tu veux qu'on trouve des solutions gagnant-gagnant. Donc, je suis ouverte à la communication. Et là, je me dis, oh mon Dieu, c'est donc bien beau ce paragraphe-là. C'est ça qu'il faut que je dise. C'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, il faut que je dise, hey, merci pour la critique. Sauf que la réalité, c'est que quand on lit un livre, on a notre orgasme du préfrontal pendant qu'on lit la page. Mais l'idée, c'est qu'après ça, on tourne notre page. Puis là, on trouve d'autres choses intéressantes. Puis on lit l'autre page, le chapitre, etc. On ferme le livre et on fait rien. On n'a pas reprogrammé. On a juste fait, waouh, c'est une bonne idée. Et c'est ce qui fait qu'une semaine, deux semaines plus tard, s'il y a une critique, ben, en mode automatique, je subis mon cerveau qui est programmé pour bouder.
Et là, je boude. Et là, je suis dans ma chambre. Je subis les scénarios catastrophiques. Et quand je finis par me calmer, je dis, Colin, pourquoi j'ai pas répondu comme dans le livre? Je le sais pourtant. Mais même si on le sait, s'il n'est pas programmé, ce n'est pas un automatisme de répondre ça. Et c'est là où j'ai décidé, moi, de reprogrammer mon cerveau vraiment clairement avec des techniques en neuroplasticité, d'aller directement dans ce chemin neuronal-là. Et au lieu d'associer critique à « je me retire et je boude », critique égale « je prends une profonde inspiration, je souris et je dis « merci pour la critique constructive, comment on peut trouver des solutions gagnant-gagnant ». Et quand j'ai fait cette programmation-là, en fait, j'ai eu à le faire 3 fois seulement. Et quand il y a eu une critique, j'ai été tellement surprise, mais de façon très, très automatique, calme, sereine, j'ai fait « merci pour la critique ». Comment on peut trouver des solutions gagnant-gagnant? Et mon mari a été tellement surpris, là. Il savait plus quoi dire, parce que lui, il est habitué que je boude. Il est habitué d'avoir son espace aussi pour réfléchir. Donc, quand moi, je lui dis, OK, on en parle, quelles sont les solutions? Il était comme, là, c'est lui qui avait le syndrome du neurone errant. Parce que il était pas habitué que je sois là et souriante. Là, il était comme bloqué un peu. Il avait comme besoin de son espace pour réfléchir. Ça, c'est son programme à lui, en mode automatique. Quand Annick boude, moi, j'ai mon espace et je réfléchis. Donc, en mode automatique, là, c'est lui qui a boudé cette journée-là parce qu'il avait besoin de son espace. Et moi, je suis allée le voir et je dis, je comprends. Tu sais, je comprends que tu boudes. C'est ton cerveau qui te fait faire ça. Fait que garde, quand tu vas être prêt, on va communiquer. Puis il était là, c'est pas juste, tu sais. Mais ça, ça a duré 1 ou 2 fois. Et après ça, tu sais, aujourd'hui, notre communication, elle est vraiment incroyable. Là. On peut se critiquer avec amour mutuellement. Puis ça nous fait progresser. On est même plus beau et plus fort. Donc, c'est ça la magie de la neuroplasticité. On n'a pas à subir nos chemins neuronaux toxiques. Et quand je dis toxique, ça veut pas dire qu'ils sont toxiques sur le plan biologique, là. C'est pas ça. Pour moi, toxique, ça veut juste dire que ça nous empêche d'être heureux, de nous épanouir. Comme un boulet. Que ce soit en amour, la santé, l'argent ou en famille, tu sais, peu importe, là, mais les chemins neuronaux toxiques, ils nous empêchent d'être bien. Exact, exact. Et voilà. C'est pour ça aussi que quand les gens s'inscrivent à ma formation, je vais leur dire, tu sais, il y a un prérequis. C'est, tu ne dois plus être dans l'énergie de subir ou de rendre l'extérieur responsable. Tu sais, je suis malheureuse à cause de mon ex, je suis malheureuse à cause du gouvernement, je suis malheureuse à cause de ci ou cela. Ça, c'est encore une fois subir ces chemins neuronaux toxiques. Donc, moi, les gens qui font ma formation, je vais toujours leur dire, faut que tu sois prêt à aller de l'avant, faut que tu sois prêt à accueillir le beau. Et faut que tu sois prêt à passer à l'action, à reprogrammer. Si tu reprogrammes comme je le montre, tu vas avoir des résultats. Mais faut le vouloir. Puis en même temps, faut être capable de respecter les rythmes aussi. Parce que je vais donner un exemple concret. Tu sais, à un moment donné, il y a une femme qui m'a écrit. J'étais en promotion pour la formation Reprogrammer votre cerveau. Puis elle m'a dit, je viens juste de vivre un abus sexuel au travail. Est-ce que c'est bon pour moi, tu sais, de faire ta formation? Et je lui ai dit non. Parce qu'elle venait de vivre l'abus dans les jours précédant là, l'inscription à la formation. Et là, je lui ai dit, là, tu viens de vivre quelque chose de très difficile, je suis en compassion, je te sens fort dans mes bras, je t'envoie tout mon amour. Mais là, c'est le temps d'accueillir ça, d'en parler le plus possible, de le libérer, de crier, de pleurer, de dénoncer si t'as envie de dénoncer. Bref, et c'est pas le temps de dire, OK, stop, pense plus à ça, va de l'avant. OK? Parce que ça serait peine trop vite, ça serait agressant, tu sais, ce serait une autre forme d'agression de dire, hey, arrête d'en parler puis va de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des contextes où c'est OK de pleurer, de crier, d'en parler. Ça fait partie d'un processus de guérison. Sauf que quand ça fait 1 an, 2 ans, tu sais, ou même 6 mois, ça dépend des rythmes de chacun, hein, on a tous des rythmes différents par rapport à une épreuve.
Mais quand ça fait un bon moment, là, et que là, t'es tanné, comme on dit en bon québécois, de subir les épreuves du passé, tu sais, que ton cerveau fait jouer en boucle, ou c'est ça, de subir ton programme, et que là, t'es prête à dire, OK, stop, là, j'avance, puis je m'en vais vers du beau, ben, c'est là que la formation arrive à point et qu'on peut la faire. Quand on est prêt. Parce que je suis une coach quand même qui va être assez directe parfois. Donc, des fois, j'ai des élèves qui vont me raconter leur histoire, puis je leur passe stop. Non, je t'arrête. Arrête de me raconter ce qui va pas. Là, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, ils ont le syndrome du neurone errant parce qu'ils sont pas habitués à diriger leur cerveau vers leur je veux, qui est du confort, de la paix, de la sérénité, de l'abondance. Le cerveau, là, je vais vous dévoiler quelque chose. Les courants électriques d'une pensée négative sont beaucoup plus forts que les courants électriques d'une pensée positive. Okay? Mmh. Et ça, c'est biologique, c'est comme ça, c'est de l'électricité, on n'y peut rien. Donc, le négatif, le courant électrique est plus fort que le positif. Et le danger dans ça, c'est que plus un chemin neuronal reçoit de courant électrique, et plus le courant électrique est fort, plus le chemin neuronal devient puissant. Et ça veut dire quoi, puissant? Ça veut dire qu'il va basculer en automatisme. C'est-à-dire qu'on le fait sans même s'en rendre compte. On est sur le pilote automatique. Carrément. C'est le chemin neuronal, je conduis. Comme vous avez conduit à répétition depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, ben, il y a eu tellement de courant électrique dans ce chemin-là qui est puissant, donc qui est en automatisme. Donc, vous pouvez le faire sans même réfléchir, sans même vous en rendre compte. Ben oui. Si ça fait ça pour l'auto, ben imaginez si vous êtes négatif à répétition. Et le cerveau, là, ça, j'aime ça le dire, il est super génial, mais il peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Mmh. Parce que lui, il fait pas la différence entre le bien et le mal, il programme tout simplement. OK? Tu sais, j'ai une belle analogie à vous raconter, en fait. Si vous avez envie d'aller au Mexique et que vous allez sur Internet, hein, sur Google, et que vous tapez Cuba, OK? Vous voulez aller au Mexique, mais vous tapez Cuba. Et que là, il apparaît Cuba à l'écran. Est-ce que vous allez être fâché et dire « Hey, je voulais aller au Mexique, peux-tu me mettre des idées de voyage au Mexique? » Est-ce que vous allez engueuler votre ordinateur? Non. Mais en fait, c'est que vous ne le ferez pas longtemps parce que vous allez aller voir dans le moteur de recherche pour dire « Ah, j'ai rentré Cuba. Ben, c'est pour ça qu'il m'a donné Cuba et non pas Mexique. » Ben, votre cerveau fonctionne exactement de la même façon. Il n'est pas là pour vous donner ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Lui, il est là pour exécuter un programme que vous avez mis en place. Okay? Donc, c'est pour ça que si à répétition, vous dites je sais pas, moi, après une séparation douloureuse, vous dites « Ah, les hommes sont pas fiables. Et que les hommes sont pas fiables. Ah, que les hommes sont manipulateurs. Moi, là, plus capable, là. C'est vraiment pas fiable. » Ben, le cerveau, ce qu'il fait, c'est « OK, est-ce que j'ai un chemin neuronal sur les hommes? » Oui. OK, on ajoute l'information « pas fiable ». Et comme c'est négatif, on met un courant électrique fort. Et là, si je répète à tous les jours « sont pas fiables », c'est des manipulateurs, c'est des menteurs, on se fait avoir, faut que je me protège. Courant électrique négatif, courant électrique négatif, courant électrique négatif. Et s'il devient trop puissant, il bascule en automatisme. Et je vous le garantis qu'en automatisme, vous êtes en train de mettre des barrières à une relation amoureuse potentielle parce que c'est devenu un automatisme de dire que les hommes ne sont pas fiables.
Mais en fait, c'est qu'on subit notre cerveau sans même s'en rendre compte. T'sais, puis si je fais du pouce sur ton idée, imaginez que vous avez été avec un homme ou une femme qui vous a trompé. Donc, quand vous alliez au restaurant, elle regardait son téléphone, elle répondait, mais que vous avez découvert plus tard que quand elle répondait sur son téléphone, elle répondait à son amant ou à sa maîtresse. Et là, vous avez associé que quand vous êtes au restaurant avec quelqu'un qui regarde son téléphone, c'est parce qu'il est en train de vous tromper. Et là, finalement, vous mettez fin à la relation, vous vivez votre deuil, et là, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous dites « Wow, OK, je vais m'ouvrir à l'amour, je vais essayer de faire confiance. » Et là, vous allez au restaurant, et pendant le souper, il prend son téléphone et il répond à sa mère qui est à l'hôpital. Mais vous ne savez pas qu'il répond à sa mère à l'hôpital. Vous, là, vous êtes au restaurant, vous avez ouvert votre cœur après une douleur, là, un deuil difficile, une trahison. Et là, vous le voyez prendre son téléphone, vous faites « Ah ben maudit! » C'est ça qui va se passer à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous. Vous allez dire « Il est en train de me tromper. Il est pas fiable. OK, non, j'aurais pas dû ouvrir mon cœur. » Vous allez vous fermer, devenir rigide, puis vous allez dire « Regarde, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas, on va y aller. » Et cette personne-là va dire « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien, le tout restaurant, tout ça. » Sans jamais qu'on ait pris le temps de valider. Tu sais, est-ce que tu veux du temps tout seul pour répondre au téléphone? Est-ce que tu sais? Donc, sans prendre le temps, tu sais, cette personne-là est peut-être juste, comme je le disais, en train d'écrire à sa mère qui est à l'hôpital. Mais le cerveau, s'il a associé un partenaire qui prend son téléphone au restaurant, c'est de l'infidélité. Je vous garantis que vous allez être en colère si c'est pas reprogrammé. Dans les... Oui, c'est fascinant cette histoire-là. C'est encore une fois faire confiance à son cerveau parce que, bon, à chaque année, je fais la promotion de la formation Reprogrammer votre cerveau qui est en février. Ça se fait une fois par année seulement. Fait que, tu sais, déjà, décembre, janvier, on commence à mettre en place, là, tu sais, de la promotion pour faire connaître, tu sais, l'immense potentiel du cerveau et ce que ça peut faire pour les gens. Mais là, cette année, je me disais, on était à l'automne dernier, puis je me disais, ah, j'ai pas le goût de faire un webinaire, j'ai pas le goût de faire juste une soirée d'information comme je fais habituellement. J'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de vivre autre chose, tu sais, mais je savais pas quoi. Tu sais, tout ce que je savais, c'est que j'avais envie de faire différent. Et je prends l'avion, je m'en vais à Paris, je vais donner une formation sur la reprogrammation du cerveau à des professionnels là-bas. Et après le 4 jours de formation, mon adjointe et moi, on se dit, regarde, on se paye la traite, on va aller au Moulin Rouge. Donc, le mythique cabaret burlesque que tout le monde connaît. Et on va là, et la salle est magnifique, l'ambiance est extraordinaire. Mais au-delà de l'ambiance, c'est une phrase pendant le spectacle qui m'est rentrée dedans. Et la phrase disait quelque chose comme... Malgré les guerres et malgré les temps difficiles, le Moulin Rouge est resté debout. Et il est un symbole de rassemblement et d'espoir. Voilà. Et là, j'avais les larmes qui coulaient dans cette énergie-là. Ben, c'est tellement vieux, tu sais, il y a tellement eu d'histoire dans ce Moulin Rouge-là. Et quand je suis sortie du Moulin Rouge, j'ai dit à mon adjointe, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon idée. J'ai dit, je dois créer mon propre Moulin Rouge au Québec. Je dois créer un rassemblement d'espoir et de magie parce que le Moulin Rouge, les spectacles, là, écoute, il y a de la paillette à peu près, des plumes, de la danse, il y a de la couleur. Il y a beaucoup de féerie et d'émerveillement. Vraiment, je le recommande à tout le monde. Si vous allez à Paris, allez au Moulin Rouge. Et je me suis dit, je veux ça, moi. Je veux un rassemblement d'espoir, de magie. Mais là, il fallait jumeler Moulin Rouge à neurosciences. Donc, deux idées qui vont pas systématiquement ensemble. Mais voyons donc. Mais quand on laisse deux chemins neuronaux connectés ensemble, là, deux chemins neuronaux complètement différents connectés ensemble, ben c'est là que ça peut créer de la magie, quelque chose d'unique.
Donc, c'est là qu'on sort du lot, tu sais, parce que c'est inusité quand même de coller ça ensemble. Ben oui. Et mon défi, c'était de créer un talk show pour mettre le cerveau en scène dans un style cabaret burlesque, mais bien sûr, sans les seins nus, parce que pour ceux et celles qui connaissent le Moulin Rouge, il y a quand même des femmes qui dansent, c'est burlesque, il y a beaucoup de seins nus. Donc, comment faire un produit de qualité, professionnel? Parce qu'on parle de neurosciences et de cerveau quand même, de développement humain. Donc, comment faire quelque chose de sérieux, de qualité, mais jumelé à une énergie incroyable de féerie? Et c'est en parlant à mon équipe, je suis arrivée au Québec et j'ai contacté un metteur en scène, un directeur de son, j'ai contacté des artistes, tout le monde a embarqué dans ma folie. Et on a créé un cabaret à Montréal, un studio burlesque où est-ce qu'on a invité 100 personnes du public à assister aux enregistrements et on a interviewé des gens sur leur cerveau. Et cerveau en scène, beaucoup plus qu'un simple talk show. En fait, ça va être 3 épisodes complètement gratuits, disponibles pour le public. Le premier épisode, on va aborder de comment faire de son cerveau un allié pour mieux gérer le stress et éviter l'épuisement professionnel, parce qu'on sait qu'en ce moment, mon Dieu, 9 personnes sur 10 disent éprouver du stress, là, c'est le mal du siècle. Et c'est pas parce que la société est, entre guillemets, malade et que nous fait vivre à la vitesse de la lumière et nous fait carburer à la performance que c'est sain. C'est pas parce que tout le monde est dans ce moule-là que c'est sain. Au contraire, tout le monde est en train de frapper un mur, là. Donc, il est vraiment temps de faire l'éloge à la lenteur et d'aider notre cerveau aussi. Parce que notre cerveau, il est génial pour nous aider à gérer le stress, mais à un moment donné, il faut aussi aider notre cerveau à refaire les stocks, à refaire ses énergies pour nous maintenir en santé. Et si nous, on ne l'aide pas, ben, c'est sûr que là, on a le diagnostic d'épuisement professionnel et parfois même de dépression. Donc, il y a des trucs vraiment concrets pour apprendre à faire de son cerveau un allié pour mieux gérer le stress. Et c'est ça l'épisode 1. Je reçois d'anciens étudiants de la formation qui ont fait des miracles hein, pour se redéfinir, s'éloigner de la performance et faire l'éloge de la lenteur. Et je reçois Linda Talley, qui est une chanteuse internationale qui a chanté devant plus de 50 millions de personnes, qui est la voix féminine de Wonder Woman. Donc, elle est incroyable parce qu'elle a appris à se prioriser et à faire des entrevues parce qu'elle le veut et non pas parce qu'elle le doit. Et corrige-moi. C'est absolument fou, c'est incroyable parce que les épisodes, la manière qu'ils sont construits, c'est que ça commence avec environ une dizaine de minutes d'enseignement sur le cerveau pour qu'on puisse comprendre son fonctionnement. Puis après ça, ben dans l'épisode, on bascule justement en studio où là, je reçois d'anciens participants et des artistes et on plonge dans leur cerveau pour voir justement comment ils ont fait de leur cerveau un allié pour pouvoir gérer ce stress-là et avancer dans la vie. Et il y a des chansons, tu sais, c'est juste tellement magique, tellement beau. Et ça voit en scène ces 3 épisodes qui sont vraiment complètement différents les uns des autres. Donc, le 1, tu sais, c'est vraiment pour gérer le stress et éviter l'épuisement professionnel. Mais le 2, on reçoit Lulu Hughes, qui est, mon Dieu, incroyable. Des rockers, une des voix les plus puissantes au Québec. Et cette femme-là, elle a vécu tellement d'épreuves, là. C'est incroyable. La mort de son papa quand elle était jeune. Ensuite, elle a vieilli, elle a rencontré un homme, elle a eu un enfant et elle a fait un postpartum sévère, non soigné, non diagnostiqué pendant très longtemps. Un divorce houleux dans tout ça. Ensuite, elle a eu un cancer, Et pendant son deuxième cancer, elle a accompagné sa mère dans la mort qui était atteinte d'un cancer virulent. Et après ça, un troisième cancer pendant la pandémie qu'elle a vécu seule, isolée à cause de la pandémie. Donc, cette femme-là, c'est une force de la nature. Totalement. Mais ce qui nous a beaucoup émus dans l'entrevue, en fait, c'est que justement, elle a décidé d'arrêter de se battre et d'être uniquement celle qui est forte. Et le cadeau qu'elle est allée chercher là-dedans, c'est dans toutes ces épreuves-là, c'est d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter, tu sais, de s'ouvrir, de tendre la main, d'accepter les diagnostics, tu sais, de dépression qu'elle a eu à l'époque, d'accepter aussi le diagnostic de la maladie et d'aller trouver les cadeaux dans tout ça. Cette femme-là, elle est
incroyable, il y a des perles de sagesse. C'est fou, je vous le conseille vraiment. Fait qu'encore une fois, dans l'épisode 2, il y a des enseignements sur comment on subit notre cerveau quand on a eu des épreuves du passé et comment l'aider, tu sais, à le rediriger pour vraiment aller de l'avant. Puis après ça, ben, il y a les entrevues avec d'anciens participants, il y a Lulu Yous, il y a des chansons, c'est magnifique. Et le troisième épisode, on s'en va complètement ailleurs, c'est avec Étienne Drapeau qui a été une grande révélation aussi. Et là, c'est comment faire de son cerveau pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Donc, c'est un épisode qui est hyper dynamique, qui est vraiment wow. Et là, on est dans l'action, on avance pas à pas. Comment faire de son cerveau un allié pour arrêter de procrastiner puis de s'arrêter et de s'écrouler dès qu'il y a des épreuves. Donc, c'est ça, Étienne. Tu sais, lui, il a abattu les épreuves une après l'autre. Il y a rien qui l'arrête. Il a réalisé tous ses rêves. Et c'est tellement drôle. On a ri, c'était dynamique, c'est fun. Il a mis le feu à la scène avec ses chansons. Donc, je trouve que ces trois épisodes-là, c'est un cadeau à se faire. Tu sais, c'est un petit moment de bonheur à s'octroyer qui va être agréable, mais en même temps avec rempli de connaissances, mais tout en étant dans l'émerveillement et connecté aussi avec d'autres gens qui ont envie de faire de leur cerveau un allié. Pour le visionnement des épisodes, moi, on va les écouter en direct avec le public. Donc, les gens peuvent s'inscrire. C'est gratuit. J'écoute les épisodes avec eux et à la fin de l'épisode, moi, je vais être là pour pouvoir répondre aux questions et on va même faire des tirages de la formation Reprogrammer votre cerveau. Ben, c'est sûr que là, le premier épisode est le 5 février, le deuxième le 7 et le troisième, le 10. Donc, c'est sûr que c'est préférable de pouvoir s'inscrire oui, et de le vivre mais ensemble. Quelqu'un qui nous écoute. Oui, oui, exact. Pour l'instant, les épisodes vont probablement être disponibles jusqu'au 20-25 février, parce que la formation commence le 28. Donc, si les gens écoutent en différé là, le podcast et qu'ils veulent avoir accès aux épisodes, ben ils peuvent s'inscrire là, tu sais, sur le lien que tu vas mettre et ils vont recevoir les replays, là, les enregistrements, fait qu'ils vont pouvoir y avoir accès. Maintenant, est-ce que les épisodes vont être disponibles après ça? On ne le sait pas encore parce que la formation va être finie. Et ce qui arrive souvent, c'est quand les gens écoutent ça ou que je fais des interventions sur le cerveau, les gens font comme « je veux faire la formation! » Mais c'est là, bien. La formation va être fermée parce que je l'ouvre juste une fois par année. Fait que je ne sais pas si les épisodes vont être disponibles après. On est partagé en ce moment. On n'a pas pris notre décision parce que les épisodes sont tellement bons. Ah, c'est sûr. Faut laisser cela. Mais d'un autre côté, si les gens nous écrivent puis ils veulent s'inscrire, on va dire non. Fait qu'on sait pas si on va juste les ressortir l'année suivante. En tout cas, on est en discussion là parce qu'on n'a jamais eu un projet aussi beau et aussi gros. Et comme c'est nouveau, ben il faut agir différemment. Et comme c'est nouveau, ben mon cerveau, il est en train de créer un nouveau chemin neuronal. Donc, on n'a pas la réponse encore là. On est en train de laisser les neurones connecter puis de voir quelle va être la solution là. Mais on planche là-dessus là cette semaine. Ben j'ai surtout envie de mettre de l'avant qu'il y a de l'espoir. Donc, à tous ceux qui nous écoutent présentement, n'oubliez jamais que quand on vit une difficulté, le cerveau voit la difficulté, il va activer le chemin neuronal de la difficulté et il va libérer des biochimies qui nous rendent très, très inconfortables, ce qui donne la sensation qu'on va être inconfortable à vie. Mais rappelez-vous que toutes les difficultés, c'est des petits nuages noirs qui cachent le soleil pendant un instant et que si vous dites « stop », il y a aussi du beau et que vous mettez le focus sur le beau, ben votre
cerveau, lui, va activer les chemins neuronaux des solutions, de la beauté, de la gratitude, de l'abondance, l'abondance de conseils, l'abondance d'amis, l'abondance de tout. Et ça, ça génère de meilleures biochimies. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre potentiel, croyez en l'amour, croyez en l'abondance, croyez en la santé et faites de votre cerveau un allié et rien, rien, rien n'est impossible. Donc, pour ceux et celles qui veulent me suivre, ben, vous avez juste à aller sur le site web annicklaprate.com. J'ai aussi, bien sûr, Annick Laprate sur Instagram, Facebook, YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Là, c'est beaucoup, beaucoup axé sur la reprogrammation du cerveau. Donc, on invite les gens, bien sûr, à s'inscrire à Cerveau en scène pour avoir les épisodes gratuits qui ont énormément de valeur. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres projets? Possible. J'ai probablement un autre livre qui s'en vient. On vient de terminer un agenda qui a été lancé en janvier. Je suis Miss Projet parce que je laisse mon cerveau connecter des chemins neuronaux ensemble qui n'ont pas rapport et qui créent des merveilles. Donc, qui sait ce que mon cerveau va vouloir créer dans quelques mois? Je suis une boîte à surprises, mais c'est ça la vie aussi, en profiter pleinement, oser créer, s'amuser. La vie est faite pour ça, pour s'aimer et pour s'amuser. C'est un merci cadeau. Merci à toi. Oh, merci à toi, t'es tellement incroyable. Et merci à tous ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent présentement.